Donc ce soir, on va se goinfrer devant Miss France en critiquant. Alors que toi, tu... J'espère que vous allez bien. Écoutez, si ça va, nous sommes aujourd'hui samedi. Il est 9h40. Oh, déjà. 9h40. On est réveillés depuis. Franchement, je sais pas à quelle heure Raph il est venu. J'ai entendu des petits pas venir vers nous. J'ai dit, c'est qui? Et il y avait la petite tête de Rafiki. écoutez, on a bien dormi. Franchement, ça nous a fait du bien. Ça va, Doudou, toi? Bon, Doudou, il a juste mal à l'œil. Enfin, attention, hein, parce que c'était... Il y a 2 ans que tu nous as fait le même truc, là. Non, c'était pas le Covid, chérie. Bah, l'herpès. Ah, c'était après le vaccin. Bon, nous sommes préparés, nous sommes tous habillés. Je me suis maquillée, j'ai levé mes cheveux comme ça. J'ai pas... Ouais, voilà. Hein. Jean, pull, et en fait, on est tous habillés chaud parce que... là, l'idée, c'est que on va partir, on va aller faire Zodio, etc. Après, Manon et Vincent nous rejoignent. On va sur Clermont pour faire un brunch à midi. Manon, elle a réservé un brunch. Et d'ailleurs, elle s'y attend pas. Mais en fait, on s'est dit, celle-là, là, on s'est dit, tu fais un drive. Écoutez bien. On s'est dit, tu fais un drive. Et je lui dis, tu me dis combien on vous doit. On fait moite-moite pour le repas de Noël ce soir, etc. Et hier, je lui dis, bah, combien on vous doit? Non, rien. Ce qu'elle sait pas, là, c'est qu'au brunch, c'est foutu pour elle. C'est foutu. Bref, elle sait très bien. Elle me connaît pourtant, elle le sait. Hein. Mais bon, elle veut me chercher. Donc on mange au brunch et après, on va se faire le marché de Noël sur Clermont. Voilà, on l'avait fait l'année dernière, mais l'année dernière, il était plus dans les montées et tout. Là, Vincent m'a expliqué qu'il était sur la place en bas, donc c'est cool. Voilà, donc ça c'est pour le programme du jour. Et puis après, bah, cet après-midi, on va rentrer doucement. Il faut absolument que je leur fasse les ourlets de leurs rideaux, puisqu'ils ont acheté des rideaux chez Ikea et en fait ils sont trop longs. Donc on va les remettre, je vais aller prendre les mesures et puis comme ça je leur fais leurs ourlets et c'est nickel quoi. Et ils auront leurs rideaux pour Noël. Ils reçoivent pour Noël, donc s'ils peuvent avoir les rideaux, que ce soit bien tout mis et tout. Tu devrais te mettre un petit coup de sérum fille quand même. Ouais. Ça me fait très mal pour toi là. Tu en as dans la table allongée de Raph. Tu mets dans. Oui. Bref, donc voilà. Voilà. On est parti. Je vais habiller les filles. Je leur avais. Normalement, aujourd'hui, elles devaient se mettre en petite robe et tout, mais je les ai mis en jean parce que franchement, il fait trop froid. On va être dehors et tout, elles vont avoir froid. Donc, si c'est pour entendre, j'ai froid, je rentre. Non, merci. Hein? C'est ça. Allez, on va déblayer, on va ranger la table. Je vais mettre un petit coup d'aspi, la toquer, et puis on est parti. Let's go!
sommes actuellement dans la voiture, on est sur le retour. Avant de rentrer, on va passer à Inter. Nous sommes des boulets. Donc j'ai fait du fromage à la truffe. J'ai acheté du saumon fumé. On a tout oublié hier. Tout le frais, on l'a oublié. Donc on passe à Inter et puis après on rentre vite à la maison. On était donc au marché de Noël donc de Clermont, à côté du centre commercial Jode, je crois que ça se dit comme ça. Moi j'avais mis de côté une jupe ProMode et je suis allée la récupérer. Et en plus de ça, j'ai craqué sur une autre jupe et sur un kimono. Ah écoute, il va revenir. Et un kimono, mais je vous montrerai tout ça chez Manon et Vincent. Voilà, je suis passée à Jeff de Bruges pour prendre des chocolats. Cette année, j'adore Jeff de Bruges, ils font des très bons chocolats. Cette année, ils ont sorti un chocolat au lait et au pop-corn. Franchement, elle m'a fait goûter, il est trop bon. Elle m'a mis un étage entier que de ça. Parce qu'en fait, dans les boîtes, tu peux mettre plusieurs étages. Donc moi, comme d'hab, je prends toujours les mêmes. Je prends les petites bûchettes. Je prends les Jeff parce qu'il y a un caramel coulant. Là, j'ai pris des rochers. Chocolat au lait, chocolat caramélisé et chocolat blanc. Et j'ai pris les pop-corns là et ils sont vraiment divins. Voilà, je suis allée à ProMode, donc je vous montrerai mes petits achats. Et puis, bah, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, tu me diras. Hein. Parce que ProMode, merci mon amour d'avoir pensé à moi. D'avoir pensé à toi? Oui. Pourquoi tu dis ça? C'est pas pour moi toute la cassette de chocolat? Ah non, c'est que du au lait. Là, j'avoue, j'ai pensé qu'à moi. Et Manon, elle adore les caramels filants. Elle les kiffe. Bref, donc voilà. Non, c'était une trop bonne journée. Le resto ce matin, ça s'appelle côté Sister. Sister's Café, j'ai vu devant, mais après, je sais pas le nom. Sister quelque chose. Je vous redirai. Je demanderai. On verra, ça sort. La déco. J'ai adoré la déco, ben, un peu comme la table qu'on vient d'acheter et tout. Cet esprit là de récup, de vintage et tout, magnifique. Franchement, j'ai adoré. On a super bien mangé, c'était trop bon. Le salé, le sucré, bref, c'était trop. J'ai un cil qui me gêne. Ça, c'est pas comme moi avec l'œil enflé. Hier, ma mère m'a même fait: t'as perdu tes cils dans mon lavabo. Je vous pardon. Donc oui, le resto, super bon, vraiment très très bon, plein de choses à manger, que ce soit sucré, salé et tout, vraiment super bon. Gros coup de cœur pour les gaufres au saumon, étaient trop bonnes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les wraps au poivron étaient très bons, ah ouais, c'est sûr. Il n'y avait que là où il y avait du poivron. L'infusion à la pêche. L'infusion, non mais même moi, ma verveine là. Pas, ouais, elle était bonne, oh là là, trop bonne. L'infusion à la pêche était bonne aussi. Il y avait des petits punaise, j'ai un cil qui me gêne. Il y avait des petits croissants camembert chorizo. Ouais. Ça va trop bien ensemble, le camembert et le chorizo. Et mangue oignon aussi. Et mangue oignon. Oh là là, non mais trop bon. Franchement, des petites choses simples mais qui vont bien ensemble. Ouais, mais des trucs qu'on pourrait faire nous à la maison, ouais. Et franchement, ça allait super bien. Le brownie. Il y avait gâteau de banane chocolat blanc. Banane chocolat blanc, ça se marie super bien aussi. On a dit avec Manon, c'est une léger, idée, ça. Hein, c'est pas. Le chocolat blanc, de toute façon, c'est pas. C'est soit t'en mets trop et c'est grave sucré, soit tu sais doser et c'est très bien, c'est subtil. Ouais. Bref, donc voilà, c'était trop bien, vraiment, voilà. Et j'ai réussi à payer le resto. Elle l'a même pas vu. Toi, tu m'as vu partir. J'ai vu partir. Tout de suite, comme tu vous connais. Elle a même pas vu Manon, même pas vu. Je commence à lui montrer ma carte, elle me fait ouais, t'inquiète pas, j'arrive. Manon, t'as plus de carte. Si vous avez suivi les péripéties avec Manon, elle s'est fait arnaquer sur un site. Et en fait, elle a fait opposition à sa carte. Sauf qu'elle a plus de carte. Donc, elle peut pas payer. Enfin, bref, bon. On est bientôt arrivé. Je me rends pas compte, je sais pas où on est là. Je sais pas quel chemin il a. J'ai l'impression qu'on fait le tour du monde. En tout cas, non, mais c'est très bon. Là, on va dans leur campagne, donc c'est très bien. Ouais, Clermont-Ferrand, vous avez des travaux de partout, c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression que c'était pire que Lyon. Et pourtant, Lyon, c'est une ville qui est jamais finie. Elle est toujours en travaux. Pas comme moi. Non, mais. Bref, enfin. Bon, allez, on va se la rentrer. J'ai un cil qui me gêne toujours. Et on va commencer les toasts et tout ça pour ce soir. Ça va être trop cool. Trop cool. Je vous montre mes petits achats dès qu'on rentre à la maison.
J'ai sorti la machine à coudre. Attention. Pour faire les ourlets des rideaux. C'est quand qu'on était venus? Il y a un mois. Oui, 5 jours. Non, parce que mon anniversaire n'était pas passé. Pourquoi tu t'énerves? Bébé, il est bloqué dans la poussette. Regarde, tu prends un cheveu, moi. C'était... alors je la casse la poussette, là, je te le dis. Hein. Oui, on était venu fin octobre, début novembre, juste avant mon anniversaire, et ils avaient acheté des rideaux. Oui. Voilà, qui étaient trop grands. Vincent, il était prêt à les laisser comme ça. Hein. Ah, il était déter. Hein. Donc, je leur ai fait l'ourlet. Voilà, il est nickel, il y a ça en bas, c'est parfait. Et en fait, ils voulaient trouver un truc dans ce style-là. Donc, en fait, en découpant le rideau avec le rab qui restait, j'ai créé un petit truc comme ça. Voilà, pas besoin de le fixer au mur, il tient très bien. Et ça rend bien. Et franchement, alors l'idée vient de Vincent, il faut le dire. Merci. Voilà, il a un petit peu de la déco goût de merde, mais... Il aime bien Mookie. Non mais alors, pour le défendre, les rideaux vont bien avec Mookie. Bah oui, c'est ce que j'allais voilà. dire. Voilà, écoute, voilà. Là, il est trop, il est refait. Anticipé. Ah ça y est, oh bon, mon Dieu. J'ai anticipé. T'as anticipé de quoi? Le rideau avec le Mookie, ouais d'accord. bref, donc voilà, non, ça rend trop bien. Par contre, Manon, elle croit qu'elle est pas chez elle. Mais c'est vrai que ça habille de ouf. T'as l'impression que t'es chez nous. Allez, fais à manger avant de partir, s'il te plaît. N'abuse pas. Donc, ouais, ça rend trop bien. Bon, je vais les terminer et puis je vous montrerai tout ça. Je les ai repassés et tout. Et puis voilà, mais c'est canon. Je pense que je ferai les autres demain. Arrête de manger mes chocolats, toi! Est-ce que tu l'as pas fait? Tu fais exprès. Non, j'ai pas montré. Oui, vous quoi? Vous avez vu la colère? Est-ce que je coupe ou je continue de filmer ta connerie? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai acheté un jean. T'as acheté un jean? Il y a un bouton en fait qui a pété. Bah oui, bah je te le. C'est ma question. Bah mais bien sûr. J'en profite maintenant qu'elle est sortie. Mais attends, c'est quoi comme bouton? Mais c'est un bouton de jean en fait. Mais je l'ai acheté neuf, il est neuf encore. J'ai jamais vu. Ah bah tu vas montrer, je vais te dire si c'est possible. Bah oui, écoute, je suis là. Il est fatigant, avec son pull en cachemire. Non, mais... il a mis son pull en laine et tout dans le sèche-linge. Non, mais je lui avais dit que ça. Il l'essaye. Ah, je dis, ah non, il va plus du tout là, il est trop court et tout. Bref. Bon, allez, je vais fermer la porte, je vais vous montrer. Je vais vous poser ici et je vais vous montrer mes petits achats chez Promode. Alors, ça va être vite fait parce qu'il y en a 4. D'ailleurs, il faut que j'essaye le kimono parce que je sais pas s'il me va. Je ne l'ai pas essayé. Donc, j'ai pris cette jupe rose. Elle est trop belle. Je la vois trop avec un pull un peu loose, une grosse ceinture noire, des bottines et tout. Ça va être canon. Je suis un peu dans ma folie, genre jupe longue, bien voyante et tout. Je les prends en argenté aussi. Franchement, j'ai craqué sur l'argenté. Elles n'étaient pas données hein, quand même. Hein. Là, je me suis fait un beau cadeau hein, parce que bon, la robe, la rose était moins chère que la argentée, je crois. La rose était à 35 et la argentée elle était à 45, mais bon c'est les trucs de Noël donc après je me dis je vais la garder voilà un petit moment quand même, je la remettrai et tout. C'est une jupe, ah j'ai cru que c'était un pantalon, j'ai eu trop peur. Donc voilà, je vous montrerai des tenues du jour avec ça. Ensuite je me suis pris un petit débardeur tout simple, voilà, noir, et je me suis pris cette beauté, il faut que je l'essaye. Je les prends en M. Je pense que s'il y avait eu en L, j'aurais pris en L pour être... Après, c'est un kimono, donc c'est pas censé se fermer, quoi. Le kimono était pas donné. Vraiment, mais alors... Oh non, ça va. Non, t'es censé la porter... Oh là là! Je vais montrer à Manon. Il est trop beau. Regardez ce qu'elles ont fait, les filles. Alors, elles l'ont fait toutes les quatre. C'est combien? C'est combien elle pèse? 99. Ah, c'est pas mal. Bah, enfin... 98, parce qu'il y en manque une. Bah oui. Elle est où l'autre? Non mais elle est, il manquait une pièce. Oui. Il manquait déjà une pièce ou vous l'avez perdue là? Oui, il manquait déjà une, je crois. Tu crois ou t'es sûre? Oui, parce que la première fois que je l'ai filmé, il n'avait pas. Ah bah zut alors. Bon, il est très beau. Bravo les filles, je suis très fière de vous. C'est des dalmatiens. Non, c'est la Belle et le Clochard. Comment on va se régaler? Oh là 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 là, regardez-moi ça. Ma maman. Les petites toasts de saumon, le petit sapin, fromage d'Inde, poulet. Oui. Regardez ça. Et là, les petites Saint-Jacques. Oh ça,
Et c'est ça qui sent trop bon, ça sent trop bon. On va se régaler. Youyou. Bien entendu, chez Manon, on va mourir de faim. Voilà, parce qu'elle a rien fait à manger. Après, c'est notre repas de Noël, hein, donc on profite. Mais là, clairement, bah, c'est très bien. Devant les Miss France, ça va être bien, ça. On va se goinfrer devant les Miss. On va penser à elle. Voilà. Allez, bon appétit. Là, ils sont cadeaux de Noël. Et elle les a aux pieds. Je suis trop content. On s'est offert nos cadeaux parce qu'on va pas se voir pour Noël, c'est la semaine prochaine. On s'est dit, oh ça va. Les enfants, non, parce que Manon, elles y croient encore, donc voilà, on voulait pas offrir avant. Non, mais elle est sérieuse. C'est le premier. Elle dit, c'est le plus beau cadeau, c'est le premier. Mais moi, tu vois, faut dire ça, mes amis, prenez-moi des trucs pour sport. Bon, alors Manon a eu ses baskets. Je pouvais pas vous montrer parce qu'elle regarde mes vlogs. Et Vincent, il veut se faire un gros tatou. Un gros tatou. Donc on lui a fait un petit cadre avec écrit tatou. J'ai découpé pour qu'on voit les billets à travers. Et voilà. Tu montes tes cadeaux, toi. Toi, t'as eu du café. Oui. T'as eu du parfum parce que tu pues. Voilà. Café, c'est bien. Du pour café bien bosser. Italien, mexicain. Et polonais, non, Costa Rica, et puis il y a eu à la cerise. Et moi j'ai eu la naked. Gardez-moi cette beauté. C'est des couleurs que j'ai pas en plus. Dans les marrons aussi j'en ai, mais là il y en a tellement. Elle est ouf. Elle est ouf. Non mais elle est complètement ta. Ah oui, Renaud, il est de chaussettes aussi. Mais ça va pas bien. Qu'est-ce que tu vas faire demain matin? On est toujours devant Miss France. Alors nous, on a deux ou trois chouchoutes. Non. Miss Nord-Pas-de-Calais, on aime beaucoup. Nouvelle-Calédonie, on aime beaucoup, beaucoup. Et... cheveux courts, c'est Nord-Pas-de-Calais. Nouvelle-Calédonie, elle a un peu de forme étoilée. Canon. Ouais. Et c'est quoi? C'est Guadeloupe ou Martinique? Martinique. Martinique aussi. Mais les cheveux courts, elle est canon. Elle ressemble à Sonia Roland. C'est un truc de fou. Elle est trop trop belle. On verra demain. On verra tout à l'heure, mais là on va couper le vlog parce que il faut l'exporter. Il y a Britney Spears. Il y en a une qui ressemble à Britney Spears, mais en brune. Enfin bref. Allez, on va vous abandonner. On va vous dire à demain avec le verre à la main. Manon, elle va courir demain matin. Elle est au taquet. Elle est trop contente. Voilà ce que j'aime. Voilà. Elle a ouvert je vous jure, elle a même pas ouvert le carton qu'elle a reconnu direct. Direct. Voilà. On peut rien cacher en plus. Et heureusement que Vincent était là pour m'aider pour la taille parce que. Sinon, je les aurais retournées. Ça pourrait changer, mais bon. Là au moins, elle peut les utiliser dès demain, donc je suis trop contente. T'es sûre que c'est la bonne taille, hein? Ah oui. Allez, à demain. Bisous.